Bonjour, je suis Catherine de l'Arbre Fée. J'accompagne les travailleurs de lumière et futurs travailleurs de lumière à libérer leurs blessures d'âme afin de retrouver leur guidance personnelle, leur guidance intérieure pour prendre leur place et l'assumer. J'aimerais aujourd'hui vous parler de comment avoir accès à votre mission de vie, à votre mission d'âme. C'est une question qu'on me pose souvent et donc j'avais envie de faire cette vidéo. Alors, une mission, elle vous vient depuis que vous êtes incarné, depuis que vous avez choisi ce père et cette mère, et elle est là depuis toute éternité. Vous venez explorer le monde humain avec votre divinité, vous venez vous incarner. Qu'est-ce que vous venez faire? Alors souvent, quand on arrive sur Terre, pof, il y a un switch qui se passe et on a tendance un peu à l'oublier. Alors il y a quelques personnes qui elles s'en souviennent depuis tout petit et il y en a d'autres qui ont un petit peu perdu cette connexion au divin, cette connexion à la source d'amour. Et c'est grâce à cette mission que vous allez pouvoir vous reconnecter et vivre pleinement en tant que travailleur de lumière. Donc voilà. Alors, la mission que vous cherchez, cette question de vous-même, elle ne se trouve ni dans les livres, ni dans les vidéos. Elle ne se trouve pas plus en copiant les autres parce que ça serait la facilité. Où est-ce qu'elle se trouve? Le secret. Eh bien, elle se trouve à l'intérieur de vous, tout simplement. C'est facile comme ça que je vous le dis, mais comment faire pour aller la trouver, pour faire qu'elle se révèle à vous? Parce que vous avez beau chercher, ça ne marche pas, et ça ne marche pas avec le mental, pas du tout. Donc, comment ça se passe? Alors, soit vous êtes suffisamment connecté et vous avez accès à la source d'amour, au Seigneur de Lumière directement qui vous transmet ses messages par-delà l'ego, par-delà Satan. Parce qu'il faut aussi faire attention à ces coquins de Satan qui vient vous titiller, vous raconter des choses qui ne sont pas. Donc, soit vous avez accès directement et vous savez, et les choses se mettent en place depuis très tôt. Donc ça c'est possible, c'est une façon. Une seconde façon, c'est de pouvoir aller chercher dans le miroir de quelqu'un qui est déjà un travailleur de lumière les réponses que vous cherchez. Car comme vous le savez, le travailleur de lumière, l'autre qui va vous aider à trouver cette réponse, n'a pas la vérité en lui. Mais cette personne va vous permettre de la trouver par l'effet miroir, par l'effet lumineux de ce qu'il va vous renvoyer. De ce qu'elle va vous renvoyer si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc c'est quelque chose qui est profondément caché en vous et ça se passe d'âme à âme, au-delà de l'ego, au-delà de Satan, au-delà de l'ombre. Et le travailleur de lumière qui est déjà expérimenté, qui a déjà avancé sur ce chemin, va vous permettre d'aller chercher les mots, de transformer les mots M-A-U-X en mots M-O-T-S, entendables, par votre âme. Donc c'est un effet écho, un effet miroir dans le visuel, dans l'auditif, dans le kinesthésique pour vous permettre d'aller capter cette mission qui est la vôtre. Il y aura ensuite tout un chemin de mise en œuvre de cette mission, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est comme ça que je perçois ma mission, moi en tant que travailleur de lumière, c'est de, au-delà des mots, au-delà des blessures que vous avez pu vivre, qui ont été un chemin, de pouvoir accéder à cette mission et d'en faire profiter le monde. Car si vous êtes là, si vous vous sentez appelé par une mission divine, c'est que le monde en a besoin, c'est que d'autres personnes ont besoin de se réveiller comme vous êtes en train de le faire. Donc, soit vous vous connectez directement à la source pour avoir accès, que ce soit par prière, par méditation, par rêve éveillé, par rêve endormi. Peut-être que en lisant, vous allez capter quelque chose qui va vous révéler ce que vous êtes profondément à l'intérieur de vous, en observant les autres, mais en ne faisant surtout pas, comme je dis, comme eux, parce que votre mission, elle est unique. Les mots que vous choisirez pour trouver votre mission, c'est vraiment unique. Donc observez, ou alors je dis copier, mais ne faites pas le copier-coller. Copiez simplement et allez chercher en vous cette authenticité. Ou sinon, si vous avez du mal à la trouver directement, trouvez
le travailleur de lumière ou la travailleuse de lumière qui vont pouvoir vous permettre, grâce à leur présence, de révéler cette partie lumineuse en vous. Donc je vous dis à très bientôt, belle découverte de vous et lumineuse journée. Ciao, ciao.